C'est bien sûr un plaisir d'être ici. D'autant que je vais vous raconter un travail que je fais avec Damien Gaillet, que vous connaissez bien. Voilà, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce sujet. Et donc, je vais vous présenter une partie de nos résultats. Et je voudrais commencer en un sens par le début. Donc, le début serait la chose suivante. Si vous considérez un polynôme simplement à une variable de degré d et à coefficient réel, hein, donc ça, aujourd'hui, tout est à coefficient réel, et je note donc P le polynôme et j'introduis l'ensemble des racines, V indice P, l'ensemble des racines réelles. Je vais essayer de parler. Fort, d'accord. Vous m'inquiétez. Donc je disais, on considère simplement un polynôme à une variable de degré d à coefficient réel et on va s'intéresser à son ensemble de racines. Donc évidemment, on sait tous que le nombre de racines réelles du polynôme que j'indique ici par le cardinal de cet ensemble VP, simplement les racines réelles, est compris entre 0 et le degré du polynôme. Et on peut ajouter, disons, que ce nombre de racines réelles a la même parité que le degré du polynôme, sauf peut-être dans un cas dégénéré, mais enfin qu'on peut oublier parce que ça ne va jouer aucun rôle dans cet exposé, c'est si vraiment le polynôme a des racines multiples. Enfin, si le polynôme n'a pas de racines multiples, on a deux choses en tête, c'est que ce nombre de racines réelles est majoré par le degré, a la même parité que le degré. Alors par exemple, un polynôme de degré 1 à coefficient réel possède toujours une racine réelle. Voilà. Deuxième exemple, un polynôme de degré 2. Polynôme de degré 2 à coefficient réel, eh bien, deux cas de figure, si vous voulez. Il peut avoir soit aucune racine réelle, ou il peut avoir deux racines réelles. Et si vous voulez, c'est cette dépendance du choix du polynôme qui en fait soulève une question un peu probabiliste, j'ai envie de dire, qui va être le thème de mon exposé. Et la question probabiliste, c'est la suivante. Eh bien, puisque ce nombre de racines réelles dépend du choix du polynôme, mettons pour de grands degrés du polynôme, quel est le nombre typique de racines réelles d'un polynôme? C'est-à-dire, si vous choisissez un polynôme au hasard, tirez-le, piochez-le au hasard, à votre avis, combien il va avoir de racines réelles le polynôme que vous allez tirer? Évidemment, si vous prenez le nombre de racines complexes, c'est D la réponse. Mais le nombre de racines réelles, vous n'avez pas de moyen de le savoir. Si vous voulez, il y a cette question probabiliste. Donc, avec un peu ce langage probabiliste, vous choisissez P aléatoirement dans l'espace des polynômes de degré d à coefficient réel, et combien de racines réelles s'attendent pour ce polynôme. Donc c'est une chose qui est formalisée un peu mathématiquement, et je note, comme c'est l'usage, disons, ce E de cardinal VP, l'espérance mathématique de ce nombre de racines réelles. Pour les polynômes de degré d. Alors, une première réponse à cette question a été donnée en fait dans les années 40. Pardon? Elle a été donnée par Marc Katz. Et la réponse, elle est asymptotique, donc c'est vraiment pour les très grands degrés. En fait, le nombre de racines réelles, il faut s'attendre à 2 sur pi logarithme du degré racine réelle, soit nettement moins que le nombre de racines complexes. D'accord? Mais ça dépend de Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, quel a été le point de vue de Marc Katz? Ça a été le suivant. Ça a été de dire que l'espace des polynômes de degré d à coefficient réel, c'est non seulement un espace vectoriel, si vous voulez, mais c'est même un espace vectoriel euclidien. Il possède un produit scalaire. Et en fait, pour ce produit scalaire, si vous voulez, les monomes, la base canonique, si vous voulez,
de monomes que vous avez tous en tête, 1, x, x puissance d, c'est une base orthonormée. Donc, vous voyez, sur cet espace de polynômes, il y a un produit scalaire. À partir du moment où il y a un produit scalaire sur, sur cet espace de polynômes, eh bien, si vous voulez, il y a une densité associée de Lebesgue, ou que sais-je, que j'ai noté d indice p, qui a quand même ce petit défaut que la mesure totale de l'espace vectoriel est infinie. Mais alors, ce que font typiquement les probabilistes, c'est qu'ils mettent un poids exponentiel devant cette densité associée au produit scalaire, qui dépend que de la distance radiale, et en exponentiel moins norme de p au carré, et ça ramène la mesure totale à une mesure finie, et j'ai divisé par la constante qu'il faut pour que la mesure soit 1. Donc vous voyez que vous avez une mesure de probabilité associée au produit scalaire. Donc si vous voulez, dans cet espace de polynômes, les coefficients, j'ai été noté A0, AD. Donc là, la densité associée au produit scalaire, simplement la densité que vous notez tous, DA0, DAD. Et le poids exponentiel, c'est exponentiel moins A0 carré, exponentiel moins AD carré. Bon, typiquement, les probabilistes, ils mettent 1 sur 2 et 1 2 ici, mais ça ne change rien pour ce que je vais raconter. Et voilà. Donc vous voyez que c'est une mesure de probabilité qui conserve des propriétés sympathiques d'être invariante par le groupe orthogonal. Elle est invariante par le groupe orthogonal et elle a une deuxième propriété extrêmement sympathique, c'est que c'est une mesure produit. Voilà, donc c'est une mesure évidemment extrêmement classique que les probabilistes connaissent par cœur. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, si vous voulez, cette espérance que j'ai notée du nombre de racines réelles, c'est par définition la valeur moyenne du nombre de racines de polynômes sur l'ensemble des polynômes. D'accord ? Donc vous avez cet espace vectoriel de polynômes avec cette mesure de Gauss. Alors, je peux rajouter une petite remarque pour les plus géomètres d'entre nous. Ce qu'on aime bien aussi remarquer, c'est que le polynôme, si je le multiplie par un scalaire, je ne change pas l'ensemble des racines. Donc typiquement, un géomètre, il pense en termes de système linéaire, c'est-à-dire qu'il a envie de considérer l'espace projectif associé au polynôme comme espace de probabilité. Et alors, vous pouvez remarquer qu'à partir du moment où mon espace vectoriel est euclidien, l'espace projectif associé, il hérite d'une mesure de Fubini-Studi. Donc un espace de probabilité alternatif serait l'espace projectif associé avec cette mesure de Fubini-Studi normalisée pour que la mesure totale soit 1. Donc je fais cette remarque une fois pour toutes, vous pouvez très bien prendre cet espace de probabilité, la réponse est strictement la même, c'est juste une égalité. Donc toutes les mesures, toutes les probabilités que je vais calculer dans cet exposé sont exactement les mêmes que vous considérez l'espace vectoriel ou l'espace projectif associé. Simplement, un probabiliste, il va considérer l'espace vectoriel avec la mesure de Gauss. Et dès qu'on commence à travailler, on a envie de lui donner raison parce que quand on commence à faire des calculs, c'est beaucoup plus pratique de travailler avec un espace vectoriel qu'un espace projectif. Et d'autant plus quand on a une mesure produit sur l'espace vectoriel. C'est vraiment des choses qu'on peut rendre la vie plus facile. Et de toute façon, c'est très facile de voir que tout est égal. Voilà. Alors, une deuxième réponse a été donnée à cette question, si vous voulez, 50 ans plus tard. Elle a été donnée, bon, la même année, je cite les deux, par Eric Costelan et Shub et Smale. Et la réponse, c'est qu'en fait, pour tout degré, cette espérance mathématique, c'est racine carrée du degré. Alors, le point de vue de Costelan, évidemment, la mesure de probabilité, elle va changer un tout petit peu, puisque la réponse, au bout du compte, c'est pas la même. Mais le point de vue, quand même, est tout à fait analogue, c'est que l'espace des polynômes de degré d est un espace vectoriel euclidien. Mais son produit scalaire n'est pas tout à fait le même. Son produit scalaire a quand même une propriété fort sympathique, c'est que les monomes auxquels vous pensez restent orthogonaux. Mais ils sont plus de norme 1. Ils sont plus de norme 1. Il y a un coefficient binomial, si vous voulez, devant. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi cette mesure de probabilité est plus naturelle géométriquement. Mais enfin, voyez que la fin de l'histoire, c'est la même. À partir du moment où cet espace de polynôme est euclidien, vous avez une mesure de Gauss associée. C'est une mesure de probabilité, ça devient un espace de probabilité, et cette espérance mathématique prend sens. Et voyez que
par définition, l'espérance que j'ai dans le théorème, c'est la valeur à moyenne du nombre de racines de polynômes, mais pour cette nouvelle mesure de probabilité. Voilà. Alors, pourquoi cette mesure de probabilité un peu différente? Comme je dis, elle est, j'ai envie de dire, plus naturelle géométriquement. Alors, je vais vous en donner une première raison. Et beaucoup plus tard dans mon exposé, je vous en donnerai une deuxième. C'est que cette mesure vient en fait de la géométrie kellérienne. Bon, je ne vais pas vous le dire tout de suite, comme ça. Ce que je vais dire tout de suite, c'est qu'il est déjà géométrique, c'est la chose suivante. C'est que vous pouvez vous souvenir que l'espace des polynômes homogènes l'espace des polynômes de degré d à une variable que je discute depuis 5 minutes est canoniquement isomorphe à l'espace des polynômes homogènes à deux variables. Voilà. C'est une chose qu'on utilise souvent. Et quel est cet isomorphisme? Eh bien, chaque monôme qui n'est pas homogène de degré d, de force, vous le rendez homogène de degré d en le multipliant par la puissance qu'il faut en y. Vous avez comme ça un isomorphisme de l'un à l'autre. Considérer les polynômes à une variable de degré d, c'est pareil que considérer les polynômes à deux variables de degré d homogènes. Seulement, ces polynômes homogènes, ils définissent des fonctions homogènes sur le plan. Sur le plan, vous avez une action, disons, du groupe orthogonal, pas rotation, l'action standard, sur le plan. Et donc, ce groupe orthogonal agit sur l'espace des polynômes homogènes par multiplication à droite. Eh bien, la norme de Koestlin d'un polynôme homogène de degré 2, de degré d, à deux variables, est invariante par cette action du groupe orthogonal. Voilà. Donc, si vous voulez, ce que ça veut dire, si vous prenez ce point de vue et que vous avez des fonctions homogènes sur le plan, votre base canonique, si vous voulez, elle dépend d'une base xy, enfin dans le plan. Dès que vous avez une base dans le plan, si vous voulez, vous avez une base de monôme que vous avez envie de prendre. Eh bien, la norme de Katz dépend complètement de la base que vous êtes fixée dans le plan. Alors que cette norme de Koestlin n'en dépend pas pour peu que vous choisissiez une base orthonormée. Donc vous prenez dans le plan, vous avez une base orthonormée, du coup vous en déduisez une base de monôme de l'espace des polynômes homogènes et donc un produit scalaire. Et si vous voulez, voilà, cette norme est plutôt attachée au produit scalaire du plan que vraiment à un choix spécifique de base dans ce plan. C'est ce que j'ai envie de dire, comme j'ai envie de vous vendre ça comme un premier argument pour dire que cette deuxième norme de Koestlin est plus de nature géométrique que la première. Voilà. Alors, quelle est la démonstration de ces théorèmes? Je vais vous donner une même démonstration pour les deux théorèmes. C'est l'argument essentiellement de Koestlin. J'ai ajouté Edelman parce que j'ai lu ça dans un papier d'Edelman-Koestlin. Vous allez voir, c'est assez simple et assez joli. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la chose suivante. Donc, l'espace des polynômes de degré d est isomorphe à r puissance d plus 1. Le choix de votre base que vous avez en tête vous fournit cet isomorphisme. Alors, dans cet espace RD plus 1, il faut voir deux choses. La première chose qu'il faut voir, c'est simplement la sphère unité. Vous avez la sphère unité dans cet espace de polynôme. Et pour chaque élément de cette sphère unité, vous pouvez considérer simplement la forme linéaire dans RD plus 1 qui consiste à faire le produit scalaire avec cet élément. Donc, vous choisissez un élément sur la sphère. J'ai noté A0, AD, ses coordonnées. Vous avez le produit scalaire avec ce vecteur A, de coordonnées A0, AN. Ça fournit une forme linéaire sur l'espace RD plus 1. Et voyez, sur mon dessin, j'ai dessiné le vecteur A et l'hyperplan orthogonal, qui est le noyau de cette forme linéaire. Voilà, très, très facile. La deuxième chose qu'il faut voir dans RD plus 1, c'est une courbe, en fait, aussi, qui est standard, enfin, en géométrie algébrique. C'est la courbe paramétrée simplement par ces monômes. Vous avez D plus 1 monôme. Vous regardez la courbe dans l'espace. Là, je vais noter gamma tilde. La courbe paramétrée par R et qui à X associe 1, X, X carré jusqu'à X puissance D. Disons qu'on se place dans le cas de Katz. Dans le cas de Koestlin, il faudrait rajouter ces coefficients binomiales. Mais voyez, si vous avez vos D plus 1 monômes favoris, vous pouvez les prendre comme fonction coordonnée pour définir une courbe dans l'espace. D'accord?
Alors, première observation toute simple, c'est que eh bien, la fonction polynomiale P, comme fonction polynomiale sur R, c'est simplement la composée de cette courbe gamma tilde qui va dans RD plus 1 avec cette forme linéaire produit scalaire avec A. C'est un petit point de vue, je suis un tout petit peu en train de changer de point de vue. Le polynôme, je le vois comme fonction polynomiale, c'est la composée d'une courbe dans l'espace avec une forme linéaire. Et l'observation principale à ce moment-là déjà, si vous voulez, ce que ça vous donne, c'est une interprétation géométrique de cet ensemble de racines. Une racine de polynôme, finalement, apparaît comme les points d'intersection de la courbe gamma tilde avec cet hyperplan. Donc sur mon dessin, il devrait y avoir un deuxième point d'intersection quelque part. Là, je n'ai pas réussi à le dessiner. Mais enfin bon, vous voyez, l'interprétation géométrique. Et donc, quel est l'argument clé? Eh bien, la courbe gamma tilde, vous pouvez la projeter sur la sphère unité radialement. Et tout résulte de cette observation, c'est que cette espérance mathématique du nombre de racines des polynômes de degré d apparaît simplement comme la longueur de cette courbe gamma qui est tracée sur la sphère unité, divisée par pi. Et pourquoi? Eh bien, c'est simplement la formule de Crofton. Prenez la formule de Crofton, elle exprime la longueur d'une courbe sur la sphère comme la valeur moyenne du nombre d'intersections avec les hyperplans. Donc, si vous voulez, précisément, c'est quasiment une reformulation tautologique de la formule de Crofton. C'est que cette longueur de la courbe, c'est le nombre moyen de points d'intersection. Or, le nombre moyen de points d'intersection, c'est précisément moyenné sur tous les polynômes, le nombre de racines réelles. Et vous voyez que cette formule de Crofton, finalement, elle n'est pas difficile à comprendre. Parce que elle vaut pour n'importe quelle courbe rectifiable tracée sur la sphère. Maintenant, commençons par prendre comme courbe, si vous voulez, un équateur. Si vous prenez un équateur sur la sphère, vous voyez bien que n'importe quel hyperplan va le couper en deux points. Donc le membre de gauche qui consiste à prendre, dans la formule de Crofton, à prendre la valeur moyenne du point d'intersection sur tous les hyperplans, ça va être simplement 2, parce que vous prenez la valeur moyenne de 2 sur un espace de proba. Par ailleurs, la longueur d'un équateur, bah vous savez bien que c'est la longueur d'un cercle de rayon 1, c'est 2π. Donc vous voyez que 2π divisé par π, ça donne 2, et tout va bien. La formule de Crofton vaut au moins dans le cas d'un équateur. Alors, si elle vaut dans un équateur, si maintenant vous prenez une portion de cet équateur, par exemple, je ne sais pas moi, un dixième de l'équateur ou un centième de l'équateur, un arc d'équateur, eh bien, ce que vous pouvez voir sans trop de difficulté, c'est que les membres de droite et de gauche sont en un sens proportionnels à cette longueur d'arc. Parce qu'évidemment, la longueur, le membre de droite, la longueur, si je prends un centième de l'équateur, ben, sa longueur, ça va être un centième de la longueur de l'équateur. Mais de la même manière, si je prends le nombre moyen de points d'intersection pour cette portion d'équateur, si vous voulez, ça ne dépend pas du choix de la portion d'équateur, parce qu'il y a une espèce de symétrie de rotation, que quelle que soit la portion de l'équateur, quand je l'ai découpé en 100, le nombre moyen de points d'intersection, ça va être le même. Donc ça va être un centième du nombre moyen total. Donc les membres de droite et gauche sont les mêmes, et donc du coup, la formule est vérifiée aussi pour une portion d'équateur. Formule de Crofton. Et si vous la savez pour des formules, des portions d'équateur, à ce moment-là, essentiellement, vous la savez pour n'importe quelle courbe, parce que n'importe quelle courbe tracée, vous allez, rectifiable, vous allez l'approximer par des courbes géodésiques par morceau, comme on dit, c'est-à-dire des petites portions d'équateur, vraiment toutes petites, qui va être de plus en plus proche de la courbe. Et c'est, si vous voulez, une manière de penser cette formule de Crofton. Donc ça démontre... Ça démontre les résultats parce que la fin de la démonstration, c'est calculer la longueur de la courbe. Alors, calculer la longueur de la courbe, il se trouve que dans le cas de 4, c'est quand même pas tout à fait une mince affaire. C'est exprimé comme une intégrale. L'intégrale n'est pas sympathique. Mais tout de même, avec un tout petit peu d'effort, vous pouvez en extraire l'asymptotique. Ça fait 2 sur log de d quand d tend vers l'infini.
Par contre, dans le cas de Coastlan, c'est très facile à calculer la longueur de la courbe. Ça fait pi fois racine de d, quel que soit le degré. Et au final, vous avez démontré ces deux résultats que je vous ai énoncés. La valeur moyenne du nombre de racines réelles d'un polynôme, c'est alors dans un cas 2 sur pi log de d, dans l'autre racine de d. D'accord ? Alors, c'est là que se pose du coup une question, c'est de savoir ce qui reste de ces choses-là, si vous voulez, quand vous augmentez le nombre de variables du polynôme. C'est un peu là-dessus qu'on travaille avec Damien. Alors, je reprends du début. Je reprends du début et simplement maintenant, mon polynôme P, il a n variables, pas simplement une. Et donc, vous voyez, il a une expression un peu plus compliquée, mais toujours comme combinaison linéaire de monomes. Et je note, comme précédemment, par VP, l'ensemble des racines du polynôme. C'est un ensemble dans R puissance n. D'accord ? Le lieu d'annulation. Alors, évidemment, il faut être bien conscient que quand j'ai augmenté le nombre de variables, en particulier, l'ensemble des racines, en général, il n'est plus du tout fini. Il n'est plus du tout fini. Et on a tous en tête des exemples en dimension 2. Vous connaissez tous les ellipses, hein, qui sont des courbes de degré 2, ou même le cercle. Hein. Vous prenez le cercle, c'est l'ensemble des points à distance 1 de l'origine. C'est l'ensemble des racines du polynôme x carré plus y carré moins 1. Égal à 0. Ce polynôme-là, x carré plus y carré moins 1, c'est un polynôme de degré 2 à deux variables. Et donc, vous voyez, l'ensemble des racines n'est pas du tout fini, c'est une courbe dans le plan. Si j'augmente le degré, je peux avoir tout de suite des courbes beaucoup plus compliquées encore. Et vous voyez, par exemple, j'ai dessiné une courbe de degré 8, et encore, j'aurais pu faire plus compliqué en degré 8. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était déjà pas mal. Vous avez 6 composantes connexes. Et si le degré augmente, vous avez de plus en plus de composantes connexes. Voilà les exemples que je vous invite d'avoir en tête en dimension 2. Maintenant, en dimension 3, la situation elle est encore pire, j'ai envie de dire. Parce que non seulement une courbe de degré 3, voilà, bon, l'ensemble n'est pas fini, ça va être plutôt des surfaces dans l'espace R puissance 3, le lieu des racines, et ces surfaces ne vont pas être connexes. C'est le nombre de composantes connexes qui, pour des grands degrés, va être très grand, on va dire. Mais en plus, d'une composante connexe à l'autre, vous n'avez pas la même surface. C'est-à-dire, la topologie dépend du choix de la composante connexe. Vous pouvez très bien avoir, comme ça, une surface, disons un polynôme, un coefficient réel et trois variables, dont le lieu d'annulation est formé, comme sur mon dessin, d'une sphère, d'un tore, et d'une surface comme ça avec deux trous, trois composantes connexes, et voilà. Et là encore, ça va complètement dépendre du choix du polynôme. Le nombre de composantes connexes, la forme des composantes connexes, ça dépend du choix du polynôme. Et donc, ça soulève, une fois encore, cette dépendance, une question probabiliste. C'est, pour les grands degrés du polynôme, quelle est la topologie typique de l'hypersurface formée comme ça par les racines du polynôme? Vous piochez un polynôme au hasard, à votre avis, son lieu d'annulation, quelle forme va-t-il avoir? Alors, pour mesurer cette topologie, ce qu'on va faire, j'introduis ces nombres. Je vais noter B0 de VP, le nombre de composantes connexes de cet ensemble de racines. Et je vais noter, disons, B1 de VP, alors le nombre de trous de ma surface. Alors, c'est typiquement ce qu'on fait en topologie, on multiplie par 2 le nombre de trous. Mais ça donne, vous voyez sur cet exemple, B0 c'est 3 parce que j'ai 3 composantes connexes. Et B1, on va dire que c'est 6, parce que le nombre de trous, ben, au total, il y en a un ici, il y en a deux ici, ça fait 3. Si je multiplie par 2, ça ferait 6.
Ça, c'est ma façon de mesurer la topologie d'une surface dans l'espace dimension 3. Maintenant, si vous rajoutez le nombre, si vous rajoutez encore des variables au polynôme, hein, si vous avez un polynôme à n plus grand que 3 variables, l'ensemble des racines, c'est une hypersurface dans l'espace Rn. Et si vous voulez, cette liste B0, B1, elle continue, il y en a un par dimension, B2, B3, B4, en topologie. Bon, je ne sais pas si tout le monde sait ça, enfin, c'est vraiment très classique. On a, par exemple, je l'enseigne ce matin, mais bon, il y a ces nombres, un par dimension qui généralise un peu ce nombre de composantes connexes, ce nombre de trous, c'est les nombres de Betti. Voilà. Donc, avec ces nombres de Betti, si vous voulez, la question se reformule. Que vaut l'espérance mathématique de ces nombres de Betti, c'est-à-dire la valeur moyenne sur l'espace des polynômes à n variables de chaque nombre de Betti du lieu d'annulation. Alors là encore, évidemment, ça dépend de la mesure de proba. La mesure de proba, c'est celle de Costelan que je vais considérer, si vous voulez. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse pour signaler que, manière un peu surprenante, je trouve, eh bien, par exemple, le nombre maximum de composantes connexes d'une surface de degré 5 n'est pas connu. C'est quand même une chose extrêmement simple, enfin, à la fois simple, à la fois pas si simple, hein, mais bon. Vous prenez un polynôme à trois variables de degré 5, à coefficient réel, et vous regardez le lieu d'annulation dans R puissance 3. Vous obtenez une surface dont le nombre de composantes connexes dépend du choix du polynôme. Eh bien, on ne sait pas quelle est la valeur maximale que peut prendre ce nombre de composantes connexes. On ne le sait pas pour le nombre de composantes connexes, on ne le sait pas plus pour le nombre de trous. Et on le sait encore moins si vous augmentez le degré ou si vous augmentez le nombre de variables. C'est un problème ouvert. Voilà. Alors, on ne sait pas ça, on sait quand même deux, trois choses. Par exemple, à deux variables, on connaît la réponse. À deux variables, on connaît la réponse. Le nombre de composantes... Alors, deux variables, au lieu d'annulation, c'est simplement une courbe. Et le nombre de composantes connexes que prend cette courbe, en fait, il est compris entre 0 et cette quantité d-1, d-2 sur 2, plus 1. C'est un résultat qui date de 1876, dû à Arnac. Alors, à strictement parler, pour que vraiment il soit correct, j'ai mis une petite barre sur VP, parce que là, je parle de courbe dans R2. En vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on compactifie cette courbe dans le plan projectif réel. Donc, en vérité, c'est plutôt le lieu des racines dans le plan projectif ou dans l'espace projectif que je regarde. Ça me permet d'avoir une hypersurface compacte. C'est ça que je fais, mais enfin, s'il y en a pas... savent pas ce que c'est pas grave, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est un chouïa qu'il faut corriger la formule. Alors, ça, c'est pour le cas de deux variables, et pour le cas général, il y a une généralisation de cette formule, mais qui ne porte pas sur les nombres de Betti individuels, qui porte sur la somme totale de tous les nombres de Betti. Bon, à strictement parler à coefficient Z sur 2Z. Voilà, donc B étoile désigne la somme totale des nombres de Betti du lieu réel. Et ce qui est toujours vrai, quel que soit le nombre de variables, c'est que la somme totale des nombres de Betti du lieu réel est majorée par la somme totale des nombres de Betti du lieu complexe, de l'ensemble des racines complexes. Et ça, c'est une remarque de René Thom, que ça provient de la théorie de Smith. Donc vous voyez, c'est plus récent. Alors, l'air de rien, ce résultat, même à une variable... vous le reconnaissez, parce que si vous prenez un polynôme à une variable, le nombre de total de Betti, il n'y a que B0, c'est le nombre de racines réelles, et le terme ici, le nombre de Betti total du racine complexe, c'est le nombre de racines complexes. Donc, ce résultat, le deuxième point du théorème, quand n égale à 1, c'est le théorème que j'ai donné tout au début. Le nombre de racines réelles d'un polynôme est majoré par le nombre de racines complexes. Eh bien, ce résultat, si vous voulez, vous pouvez... Enfin, moi, personnellement, je pense que ce théorème comme une généralisation, en dimension quelconque, la somme totale de Betti est majorée par ce nombre total de Betti du lieu complexe.
Bien sûr, quand n égale 2, ça donne ce résultat de Harnack. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat avec Damien? Et du moins que je vais présenter aujourd'hui. Eh bien, c'est essentiellement ce théorème. Ce qu'on a montré, c'est qu'il existe des constantes, alors, mais entre parenthèses, universelles, que je note CI plus, CI moins, telles que, eh bien, vous avez cet encadrement. Ce qui signifie que cette espérance mathématique des nombres de Betti, par exemple du nombre de composantes connexes, ou du nombre de trous, prenez, restez à trois variables, eh bien, la croissance est en racine carrée du degré à la puissance n, un peu comme dans le théorème de Koestlin. Et la croissance est, quand je divise par ces racines de d puissance n, vous voyez, je suis encadré par des constantes. Alors j'ai mis au dénominateur aussi un volume de l'espace projectif pour la métrique de Fermi Study. Si vous voulez, c'est une constante aussi, j'aurais pu le mettre dans la constante, mais j'aime bien distinguer les deux pour une raison, parce que en fait, ce théorème-là est un cas particulier d'un théorème plus général qui vaut pour n'importe quelle variété kellérienne. Et à ce moment-là, vous avez ici le volume kellérien de la variété, alors que là, vous avez bel et bien des constantes qui sont les mêmes, elles sont universelles, elles dépendent que de la dimension et du nombre de Betti considérés. Elles dépendent de... Elles dépendent de la dimension. Ouais. Elles dépendent de la dimension, c'est vrai que je ne l'indique pas dans ces notations, mais elles dépendent vraiment de la dimension. D'ailleurs, du coup, après avoir établi ce théorème, ce qu'on a envie de voir, c'est comment... un peu de comprendre cette distribution de constantes, et notamment pour les grandes valeurs de n en grande dimension, voir un peu ce que donnent ces constantes. Et je vais discuter ça juste bientôt. Voilà. Alors, ces constantes, là, j'étais succinct, donc il existe des constantes, mais en fait, je peux vous en dire beaucoup plus sur ces constantes. Alors, je commence par cette constante CI- qui minore. En vérité, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans l'espace Rn l'ensemble des hypersurfaces qui sont connexes et fermées, c'est-à-dire compactes sans bord, dans Rn. Et je regarde les hypersurfaces de Rn à difféomorphisme près. C'est un ensemble que je note H indice n. Alors, par exemple, dans R puissance 3, ces surfaces, vous les connaissez, c'est la sphère, le tore, la surface à 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, voilà. C'est ça, la classe Hn, l'ensemble des, finalement, surfaces. Parce que là, il se trouve qu'il n'y en a pas d'autres dans cette dimension. Mais en dimension plus grande, vous voyez, c'est pas vrai que n'importe quelle variété de dimension n-1 se plonge dans Rn, comme hypersurface, mais enfin, quand même, il y en a un paquet, et donc c'est celle-là que je considère. C'est difféomorphisme de Rn de la surface. Difféomorphisme de la surface, là. Après, je peux préciser, mais disons pour cet énoncé-là, qui est un cas particulier de deux théorèmes plus précis, que là, c'est simplement difféomorphisme de la surface. Eh bien alors, la constante CI- que j'ai mis là, en fait, elle apparaît dans notre travail comme une somme sur cet ensemble infini d'hypersurface, d'une constante qui est associée à l'hypersurface, fois le nombre de Betti considéré de l'hypersurface. Et cette constante, elle est strictement positive. Et si vous voulez, elle vient d'estimer de transversalité quantitative, en un sens. Voilà, donc ce qu'on est capable de faire pour chacune de ces hypersurfaces, c'est produire une constante qui est strictement positive. Et voilà, et la constante CI-. Alors, par ailleurs, cette constante, elle a aussi un petit jeu probabiliste. Parce que je vais vous énoncer un résultat plus précis. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est si vous choisissez une hypersurface connexe fermée dans Rn, je ne sais pas moi, un tore. Vous pouvez fixer un tore dans R puissance 3. À ce moment-là, plutôt que de regarder toutes les composantes connexes du lieu d'annulation de l'hypersurface, de mon polynôme, vous pouvez simplement considérer cet ensemble n indice sigma de Vp, qui est simplement le nombre de composantes connexes de cette hypersurface qui sont difféomorphes au tore, à votre hypersurface modèle. Vous avez décidé de ne considérer que les tores qu'il y a dans le lieu d'annulation de l'hypersurface.
Et ça, vous pouvez faire en toute dimension. Vous fixez une hypersurface modèle dans Rn, et chaque fois que je vous donne un polynôme et qu'il apparaît son lieu d'annulation, vous jetez toutes les composantes connexes qui ne sont pas difféomorphes à votre hypersurface, et vous ne considérez que celles qui sont difféomorphes à votre hypersurface. Voilà. Donc c'est une nouvelle quantité que j'ai notée n indice sigma. Et je note l'espérance mathématique, la valeur moyenne par espérance d'indice. Eh bien, il se trouve que déjà cette quantité-là, la valeur moyenne du nombre de composantes connexes difféomorphes au tore, a déjà cette croissance en racine de d puissance n. Et que le vrai théorème qu'on démontre, si vous voulez, c'est que la limite inférieure de cette espérance divisée par racine de d puissance n est supérieure ou égale à une constante C sigma, et donc cette constante est strictement positive. Donc une fois que vous savez ça pour toutes, quelle que soit l'hypersurface de Rn, vous en déduisez que la majoration que j'ai donnée dans la minoration du théorème précédent, avec Ci- qui est, comme je l'ai dit, la somme sur tous les types d'hypersurface. Voilà. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est démontrer ce théorème, montrer que, en fait, déjà, cette quantité plus fine est minorée par C sigma, et je vous dis, dans la démonstration, cette constante apparaît. Bon. Alors, aussi, il se trouve que la démonstration peut être quantifiée. Il se trouve que si vous considérez, quel que soit I et N, vous avez toujours le produit de sphères, la sphère de dimension i croît la sphère de dimension n-1 moins i. C'est, si vous voulez, une variété de dimension n-1. Et cette variété, elle a toujours le bon goût de se plonger dans Rn comme une hypersurface. Je vous ai dit que ce n'est pas le cas de toutes les variétés de dimension n-1, mais un produit de sphères, comme ça, se plonge toujours comme hypersurface dans Rn. Et donc, si je choisis comme hypersurface sigma ce produit de sphères, j'ai en particulier, clairement, parce que le im nombre de Betti de ce produit de sphère, c'est au moins 1, éventuellement 2, c'est au moins 1. Et donc, a fortiori, la constante Ci- que j'ai dans le théorème est minorée par cette constante positive C sigma pour ce sigma, le produit de sphère. Et il se trouve qu'on peut complètement tracer la démonstration et que la constante C sigma, du coup, elle est au moins exponentielle de moins exponentielle 5n plus 69. Voilà, donc c'est quantifier, si vous voulez, le résultat. Voilà. Alors, de la même manière, je peux vous en dire plus sur cette constante CI+. Et pour en dire plus sur cette constante CI+, il faut que je fasse une petite digression sur les matrices aléatoires, qui est un sujet aussi très classique en probabilité. Alors, en fait, de matrices aléatoires, c'est les matrices symétriques réelles, aléatoires. Donc on change d'espace vectoriel. Je considère cette fois-ci, comme espace vectoriel réel, l'espace des matrices symétriques réelles de taille n croix n. Alors là encore, c'est un espace vectoriel euclidien. Le produit scalaire, je vous l'ai donné, où il a cette expression sympathique, si vous voulez, 1 demi, le produit scalaire des matrices A et B, c'est 1 demi de trace de A fois B. Mais enfin, si vous voulez, ça signifie que la norme de A au carré, c'est essentiellement la somme des carrés des coefficients de la matrice. Hein, donc c'est la norme L2, si vous voulez, sur les matrices. Hein. Alors, à partir du moment où c'est un espace euclidien, si vous m'avez suivi jusque-là, il hérite d'une mesure de Gauss associée, qui est une mesure très classiquement considérée en probabilité. Alors la question que se pose, ou se sont beaucoup posés les probabilistes, beaucoup de travaux là-dessus, c'est quel est le spectre attendu d'une matrice symétrique aléatoire ? Donc un peu question analogue à celle que je posais. Vous piochez au hasard une matrice symétrique réelle. Vous savez bien qu'elle diagonalise sur R. Elle a n valeurs propres réelles. À votre avis, quelles sont ses valeurs propres ? Question très classique et réponse très classique. Eh bien,
si vous voulez, l'espérance mathématique du spectre, enfin la position attendue des valeurs propres pour une matrice comme ça aléatoire tirée au hasard, c'est simplement les racines d'un polynôme de Hermite de Gréhen. Il y en a, polynôme de Hermite, il y en a un par degré. Suite de Gréhen, vous prenez ces racines, ça vous donne la position du spectre d'une matrice aléatoire de taille n fois n. Et si vous faites tendre n vers l'infini, c'est comprendre un peu ce spectre. Ce que vous pouvez faire, c'est placer une mesure de Dirac en chacune de ses valeurs propres, et disons diviser par n, qui est le nombre total de valeurs propres, comme ça, ça vous fait une mesure de probabilité empirique sur R. Hein, c'est le support de la mesure, c'est les racines du polynôme, c'est-à-dire le spectre d'une matrice aléatoire. Alors, comme ces racines sont comprises entre moins 2 racines de n et 2 racines de n, ce que vous avez envie de faire, c'est un changement d'échelle pour coincer ça, ramener ça entre moins racine de 2 et racine de 2, et disons faire tendre n vers l'infini. Et ce que vous obtenez, c'est la très célèbre loi du demi-cercle de Wigner. C'est la façon dont s'accumule cette mesure empirique de probabilité quand n tend vers l'infini. Donc, si vous voulez, ce que ça signifie, c'est que si vous voulez savoir combien de valeurs propres, une matrice, vous prenez une matrice symétrique aléatoire de taille n fois n, et vous voulez savoir dans son spectre combien il y a de valeurs propres entre moins l'infini et moins n sur 2. Eh bien, il y en a exactement autant que l'aire de ce demi-cercle entre moins racine de 2 et moins 1,5. Alors, je dis demi-cercle, bon, à strictement parler, c'est plutôt une demi-ellipse parce qu'il faut que l'aire total soit 1, mais enfin, c'est un détail de renormalisation, on doit dire. Hein, l'aire total, c'est quoi une mesure de proba? Donc, l'aire, ici, fait 1, donc c'est en fait la loi du demi-cercle qui est plutôt une demi-ellipse. Mais disons, la réponse, c'est ça. Vous êtes entre moins racine de 2, moins 1,5, vous regardez l'aire qu'il y a au-dessus. L'aire qu'il y a au-dessus, c'est le nombre de racines, enfin, n fois le nombre de... Enfin, le nombre de racines divisé par n, il ne faut pas oublier que j'ai divisé par n, quand même. Entre moins racine de 2, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, sur quoi on est tombé avec Damien pour cette majoration? Eh bien, sur la chose suivante, dans les matrices symétriques réelles, il y a aussi une partition. Bon, vous pouvez enlever les matrices dégénérées dont le déterminant fait 0. C'est une mesure nulle. Et le complémentaire, si vous voulez, il est partitionné par la signature de la matrice. Alors, en fait, c'est des matrices de taille n-1 fois n-1. n-1, c'est la dimension de notre hypersurface. Donc, vous prenez les matrices symétriques de taille n-1 fois n-1, il y a cette partition par la signature. Eh bien, vous fixez une signature i, n-1 moins i, où i, c'est le nombre de Betti. Eh bien, là, la constante que j'ai donnée, c'est i+, c'est simplement, en un sens, la mesure, enfin, l'intégrale sur cet ensemble du déterminant de la matrice fois la mesure de proba. Donc, ce déterminant, si vous voulez, c'est le produit des valeurs propres. Donc, ce qui intervient dans cette majoration, c'est non pas le spectre, mais simplement le produit des valeurs propres. Prenez le produit des valeurs propres. Alors, si vous voulez, la somme, du coup, de toutes ces constantes, où i varie entre 0 et n, c'est l'espérance mathématique de ce produit des valeurs propres, en valeur absolue. C'est la valeur moyenne sur toutes les matrices symétriques de ce produit des valeurs propres. Mais ça, ce serait pour le nombre total de Betti, l'espérance du nombre total de Betti. Mais chaque nombre de Betti individuel est majoré par cette constante Ci+, qui est la portion au-dessus des matrices dont dégénérées de signature In-1-I. Alors justement, bon, c'est... Alors il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on ne sait pas faire, mais... Par exemple, au moins l'asymptotique en n est grande, tend vers l'infini de cette somme totale, donc l'espérance du produit des valeurs propres est connue, disons, c'est 2 sur racine de 2 pi fois cette fonction de l'air. Et l'autre chose que vous pouvez dire, c'est qu'il y a une espèce de concentration sur le nombre de Betti moitié, au moins pour ce qui est de ces majorants. C'est-à-dire que si vous prenez la somme des nombres de Betti, mais qui c'est loin du nombre de Betti moitié, donc loin, j'entends plus petit
que alpha fois n avec alpha strictement plus petit que 1/2, eh bien, vous avez une décroissance exponentielle de ces nombres. Donc, par exemple, i égale 0, la constante C0+, elle est majorée par, quand n tend vers l'infini, par exponentielle moins n carré, essentiellement. Donc, c'est comme je disais, une fois qu'on a ces constantes Ci+, on peut regarder quand n tend vers l'infini. Voilà. Et donc, ce que je peux signaler, c'est que cette dernière partie, en fait, elle découle assez rapidement d'un phénomène de grande déviation autour de la loi de Wigner qui avait été établi par Gérard Benarous et Alice Guillonnet. Voilà. Un petit panorama de résultats qu'on a obtenus. Ah, je vois qu'il est... Non, il n'est pas encore. Très bien. Très bien. voilà. Donc voilà, au moins, pour ce qui est des énoncés que j'avais envie de vous présenter. Voilà. Alors, je peux vous raconter un peu des démonstrations de ces énoncés, mais avant ça, je voulais vous signaler aussi des cadres, disons, géométriques plus généraux où on étudie ces problèmes. En particulier, ça justifie peut-être une deuxième justification que cette mesure est naturelle géométriquement. Alors, le premier cadre, si vous voulez, géométrique qu'on considère et dans lequel on établit ces résultats, il provient de la géométrie de Keller. Donc, dans cette géométrie, si vous voulez, les acteurs, en un sens, c'est une variété projective complexe. Sur cette variété projective, on l'équipe d'un fibré en droite holomorphe qui est muni d'une métrique hermitienne à courbure positive. Donc, c'est un peu un fibré ample, du coup, voilà. Et, si vous voulez, ce qu'on peut faire aussi, qu'on a fait, très classique, c'est de l'équiper d'un fibré holomorphe de rang supérieur, K, avec également une métrique hermitienne, sans hypothèse sur cette métrique hermitienne. Alors, ce qu'on veut encore, c'est que tous ces objets soient définis sur R. Si vous voulez, vous avez la variété projective est définie sur R, les fibrés sont définis sur R, donc vous avez des involutions de Galois, et les métriques sont invariantes par ces involutions. Alors, eh bien, exactement la même question que j'ai posée pour les polynômes, vous pouvez la poser dans ce cadre qui est en fait plus général, c'est-à-dire, au lieu de prendre des polynômes de degré d, vous considérez les sections, vous faites le produit tensoriel du fibré E par une grande puissance du fibré en droite, et vous considérez les sections holomorphes globales de ce fibré qui sont définies sur les réels, c'est-à-dire invariantes pour les involutions. Voilà. Et c'est un espace qui est euclidien. C'est un espace vectoriel qui est euclidien parce que vous pouvez l'équiper du produit scalaire L2 qui est induit par les métriques hermitiennes et qui hérite donc d'une mesure de Gauss. Et ce cadre généralise le précédent parce que dans le cas particulier où la variété X est l'espace projectif complexe de dimension n, le fibré L, c'est le fibré de degré 1 et le fibré E est trivial, si vous voulez, vous l'oubliez, et la métrique H, c'est la métrique de Fubini-Studi, eh bien, il se trouve que ces sections-là sont rien d'autre que les polynômes homogènes de degré d à coefficient réel que j'ai considérés depuis le début. Et il se trouve que, voyez, cette mesure de Costeland, ou ce produit scalaire de Costeland sur les polynômes homogènes de degré d, en fait, provient de ce cadre géométrique, c'est le produit scalaire L2 dans cette situation géométrique. Voilà. Et donc, vous voyez que dans cette situation géométrique, vous pouvez vous poser exactement la même question. Quelle est l'asymptotique de l'espérance des nombres de Betti, c'est-à-dire la valeur moyenne sur ce nouvel espace de section du fibré des nombres de Betti du lieu d'annulation. Voilà. C'est ce cadre-là. En fait, c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, qu'on établit tous les résultats que j'ai donnés. Voilà, sont établis dans ce cadre-là. Il y a un deuxième cadre analytique, si vous voulez, plus analytique, où vous pouvez vous poser ce même genre les mêmes questions de topologie aléatoire. Et c'est un cadre qu'on a considéré aussi un peu plus récemment. C'est, disons, en analyse semi-classique. Alors, dans ce cadre un peu plus analytique, enfin géométrique analytique, comme, je sais pas, la frontière, j'en sais rien, à ce moment-là, l'acteur, c'est simplement une variété différentielle
muni d'une densité. Alors, j'ai noté valeur absolue des vols, c'est localement la valeur absolue d'une forme volume. Donc, il y a une densité. Voilà. Alors, encore une fois, un fibré en droite réelle riemannien, mais enfin, vous pouvez mettre fibré trivial avec métrique triviale. Hein, c'est... Voilà. Et l'acteur principal, si vous voulez, c'est un opérateur pseudo-différentiel, en toute généralité, qu'on considérait, pseudo-différentiel elliptique, qui agit sur les sections de ce fibré et qui est auto-adjoint d'ordre M pour le produit scalaire L2 induit par la densité et la métrique. Donc, prenez un opérateur elliptique, borné inférieurement, donc typiquement un opérateur positif, qui agit sur les sections. Parce que la variété, comme elle est compacte sans bord, le spectre va être discret. Et je prends borné inférieurement pour simplement le spectre tendre vers plus infini. Alors évidemment, l'exemple qu'on a en tête, c'est le Laplacien, disons l'opérateur de Laplace Beltrami, associé à une métrique riemannienne. Prenez la variété, vous mettez une métrique riemannienne, vous avez l'opérateur Laplacien qui vient avec, qui est un opérateur elliptique. Voilà. Eh bien, c'est un sujet extrêmement classique également. Et eh bien, ce que vous pouvez faire, considérer, c'est l'espace propre. Non, l'espace vectoriel engendré par les premiers vecteurs propres de ce Laplacien. C'est-à-dire, autant au début, je considérais des polynômes, si vous voulez, ou des polynômes aléatoires, c'est-à-dire des combinaisons linéaires aléatoires de monômes, autant dans ce cas de figure, je peux considérer des combinaisons linéaires aléatoires des premiers vecteurs propres du Laplacien ou de l'opérateur elliptique. Et quand je dis premier, c'est tous les vecteurs propres plus petits qu'un seuil, et je vais faire tendre ce seuil vers l'infini. Donc, résultat très classique dû à Hermann Weyl, c'est que la dimension de cet espace vectoriel, la croissance, elle est donnée simplement par le volume dans le fibré cotangent, le volume de la boule de rayon D pour le symbole principal. Enfin, la boule de rayon plutôt d puissance 1 sur m. En tout cas, la croissance de cette quantité, c'est en d puissance la dimension de la variété divisée par l'ordre de l'opérateur. Voilà, et encore une fois, la question, c'est, dans cette situation-là, quelle est l'espérance des nombres de Betti, c'est-à-dire la valeur moyenne des nombres de Betti de l'annulation. Vous voyez, c'est les problèmes de topologie aléatoire qui proviennent de... qui peuvent se poser naturellement dans différents contextes. Voilà. Alors, il me reste un peu de temps pour vous expliquer au moins les principales étapes de nos démonstrations. Alors, pour les bornes inférieures, ce qu'on fait, c'est procède de la manière suivante. Donc, je vous rappelle que pour les bornes inférieures, si vous voulez, vous avez fixé une hypersurface fermée dans Rn, un modèle. Eh bien, ce qu'on montre, étant donné cette hypersurface dans Rn, on montre que quel que soit le point X que vous choisissez dans Rpn, en fait, c'est dans la voilà. Eh bien, on commence par trouver un polynôme qui va s'annuler dans la boule de rayon grand R sur racine de D. Alors, grand R, c'est-à-dire cette hypersurface sigma, elle est dans Rn, elle est compacte. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la place dans une boule. Et cette boule, elle a un rayon grand R. Donc, il y a un grand R qui vient, voilà, si vous voulez. Et alors ensuite, ce qu'on fait, c'est que quel que soit le point que vous choisissez, on considère la boule centrée en X et de rayon grand R sur racine de D. Donc vous voyez, c'est une boule très petite quand les grands degrés en grand degré. Alors cette échelle 1 sur racine de D, évidemment, elle est très classique en géométrie kellérienne. Hein, donc vous prenez, c'est une échelle fondamentale en géométrie kellérienne. Donc il existe un polynôme qui va s'annuler dans cette boule. Et mieux, tel que si vous regardez la paire formée de la boule et du lieu d'annulation du polynôme dans la boule, c'est une paire qui est difféomorphe à la paire formée par Rn et sigma. D'accord ?
En tout cas, à strictement parler, c'est... voilà, c'est, disons au moins, dans le lieu d'annulation, il existe une partie sigma tilde telle que la paire est diffeomorphe à Rn sigma. Strictement parler, c'est ce qu'on démontre. C'est suffisant. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, alors pour ça, on utilise en général la théorie des sections piques d'Ormander. En général. Évidemment, dans le cas particulier des polynômes, on n'en a pas besoin, mais si vous voulez, dans le cas d'une variété projective, voilà, c'est ça qui fait le job. Ensuite, ce qu'on montre, c'est que non seulement on peut trouver un tel polynôme, mais en plus, on peut le trouver avec une probabilité strictement positive. Et uniformément, c'est-à-dire uniformément minoré par une constante. Ça, c'est une deuxième étape. Et pour ça, on fait des estimés de transversalité quantitative pour ce polynôme, si vous voulez. On voit, il est transverse à la section nulle, mais on regarde, on quantifie un petit peu combien il est transverse. Et on utilise, en fait, aussi à cet endroit-là, finalement, c'est une démarche, on utilise une approche qui est due à Nazarov-Sodine. Enfin, on s'inspire pas mal d'une approche qu'ils ont utilisée pour les harmoniques sphériques en dimension 2. Mais enfin, bon, qu'importe, si vous voulez. Quand vous avez votre premier polynôme qui est bien transverse, vous pouvez le perturber par un ensemble d'une certaine mesure. Bon, ça utilise l'inégalité de Markov aussi. Alors, il y a plusieurs étapes, mais disons... donc, vous avez ce polynôme, vous avez un hyperplan transverse, des polynômes transverses, et ce que vous montrez, c'est qu'il y a un ensemble de mesures strictement positives dans les polynômes orthogonaux, tels que si vous perturbez ce polynôme par ça, c'est toujours positif. Et la fin de l'argument, une fois que vous savez ça, si vous voulez, c'est un problème d'empilement, en empilement de sphère. Vous avez RPN, qui est une métrique riemannienne, et le jeu, c'est d'empiler un maximum de boules disjointes de rayons 1 sur racine de D. Alors, c'est bien classique en géométrie riemannienne, vous ne pouvez pas remplir tout le volume de la variété avec des boules. Alors, si vous prenez une cagette, vous mettez des pommes dedans, le truc classique, vous ne pouvez pas remplir tout le volume. Et même si vos pommes, elles ont un rayon qui tend vers zéro. Mais par contre, vous pouvez toujours remplir une fraction du volume, c'est très facile à voir, qui est 1 sur 2 puissance n. Donc, vous voyez, ça, c'est le quotient du volume total de RPN, et ça, c'est le volume, disons avec le racine de D, le volume de mes boules de rayon R sur racine de D. Je ne peux pas remplir tout le volume par des boules, mais une fraction 1 sur 2 puissance n, je peux toujours, donc tout va bien pour moi. Voilà, c'est la fin de l'argument. Ensuite, ce qu'on pose, c'est la constante, elle provient de là. Mais vous voyez, les étapes, c'est celle-là. Et pour l'estimée supérieure, c'est une approche un peu différente. Hein, donc, c'est deux théorèmes différents, en fait, l'estimée inférieure et l'estimée supérieure. L'estimée supérieure, on s'appuie sur la théorie de Morse. On fixe une fonction de Morse une fois pour toutes sur l'espace projectif, notre variété ambiante. Et ce qu'on dit, c'est que presque sûrement, elle va se restreindre en une fonction de Morse sur le lieu d'annulation de mes polynômes. Presque sûrement, si je tire un polynôme, déjà le lieu d'annulation, c'est lisse. Hein, et en plus, la fonction se restreint à une fonction de Morse. Et du coup, ce que je peux faire, c'est placer une mesure de Dirac sur chaque point critique d'indice i de la restriction. Donc si vous prenez un polynôme au hasard, vous voyez une hypersurface apparaître. La fonction de Morse ambiante se restreint à une fonction de Morse. Vous voyez un nuage de points apparaître. Ce nuage sont tous les points critiques de la restriction de la fonction de Morse. Et disons tous les points critiques d'indice donné, d'indice i. Alors le véritable théorème qu'on démontre pour la borne supérieure, c'est plutôt un résultat d'équidistribution pour cette mesure empirique. Vous avez la mesure supportée par ces points critiques, vous prenez la valeur moyenne sur tous les polynômes, et divisé par racine de d puissance n, qui est la croissance, le nombre de points critiques, eh bien ça converge faiblement vers... Si vous voulez, la mesure de Fubini-Studi de RPN, ou dans le cadre kellérien, du lieu réel pour la métrique de Keller induit par la forme de courbure du fibré en droite, mais avec une petite constante universelle devant, et c'est cette fameuse constante, si vous voulez, que j'ai notée CI+, qui est l'espérance pour les matrices symétriques de signature donnée des matrices symétriques. Ces matrices symétriques, elles apparaissent, si vous voulez, un peu comme
le G, le 2G des sections en moyenne, des sections du fibré en chaque point. Et ce 2G en moyenne, quand D tend vers l'infini, ne dépend pas du point, et ça fournit, on en extrait cette constante. Voilà. Alors ensuite, évidemment, il suffit d'un, si vous connaissez ce théorème, il suffit d'intégrer la fonction constante 1 pour avoir le premier théorème. Et comment est-ce qu'on démontre ce théorème? Ça utilise, on introduit une variété d'incidence, une formule de Lacoère, et des estimés du noyau de Bergmann, ou de la fonction spectrale, selon que vous êtes dans le cas kellérien ou semi-classique, et de ses dérivés le long de la diagonale, si vous voulez, les ingrédients. Voilà. Après, ça découle la théorie de Morse en intégrant 1, c'est complètement clair. Voilà. Alors, pour finir, évidemment, il y a un certain nombre d'autres travaux de collègues que je n'ai pas mentionnés. Donc, liés, voilà, je peux vous citer un certain nombre de collègues. Il y a des gens qui ont étudié l'expérience de la caractéristique de l'air, des gens Schiffmann, Zelditch, qui ont considéré, dans le cas complexe, des problèmes aussi d'analogue, Nazarov, Sodin, Lerario, Lundberg, qui ont étudié typiquement les harmoniques sphériques, sur Nicolaescu aussi, distribution de points critiques, Cernak et Wigman qui travaillent aussi un peu sur ce sujet maintenant, Thomas Le Tendre qui est un étudiant de Damien, qui est soutenir sous peu, et ces jeunes chercheurs, d'ailleurs Viet Dang, c'est un collègue maintenant, qui ont tout récemment aussi étudié des problèmes analogues de... Voilà, bon, je vous remercie.